Là, c'est un AR-15, fusil d'assaut, c'est un sniper allemand. C'est le top du top. Trépied, tout, la totale, viseur, tout. Je m'appelle Jérôme Pirat, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le crime organisé. Et en ce moment, je m'intéresse à un phénomène dont on parle quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, aux quatre coins de la France, sur les règlements de compte dans les quartiers sensibles qui ont pour motif le trafic de stupes. Drive, c'est ici, hein. Il n'y a pas d'autre drive. Ça n'existe pas, drive, à Marseille. Il n'y a que nous qu'on est drive. OK, je tiens à vous le dire. OK, les gars, on a un driving. Je vous ai dit, on sert dans les voitures, en fait. Ça, c'est un client. Mademoiselle, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Excusez-nous, mademoiselle. Ouais. Ouais, un beau trinque, mon frère, s'il te plaît. Tiens, ma copine. Merci, ma soeur, hein, c'est bon. Allez, à la prochaine. Au revoir. C'est impossible aujourd'hui, quand vous travaillez dans ce secteur-là, hein, entre guillemets, dans le trafic de stupes, de ne pas être armé. C'est impossible. Déjà avant, c'était compliqué, mais avant, on avait une petite arme de poing ou un fusil de chasse, enfin, ce genre de choses. Maintenant, si vous n'avez pas une arme de guerre automatique, semi-automatique, à minima une Kalachnikov, vous n'avez aucune prétention à avoir dans ce monde-là. Ça n'est pas la peine. La différence dans ce monde, qu'est-ce qui fait la valeur? Il y a le courage, l'intelligence mise au service du mal. Mais il y a surtout la propension à user de la violence. Alors écoute, ça va aller très vite. Après, on s'arrache vite, vite, vite. OK? Alors lui, par exemple, typiquement, c'est un type qui vend des armes. C'est des gens qui travaillent à flux tendu. C'est-à-dire qu'ils ne stockent pas dans un box des milliers d'armes. Hein. Quand ils en ont, ils les vendent, c'est pré-vendu quasiment avant que ça arrive. Donc je lui avais dit, dès que tu touches des armes, appelle-moi que je puisse voir le lot que tu auras à ce moment-là. Et il m'avait dit, écoute, classiquement, j'aurais sans doute une Kalachnikov ou des pistoles automatiques. Et puis il m'appelle et il me dit, enfin il m'appelle, ça se passe un peu autrement que le téléphone, vous imaginez bien. Mais il me dit, voilà, écoute, j'ai un truc, ça va t'intéresser. C'est ce qui tourne de plus en plus maintenant. Chez nous, on appelle ça c'est des bijoux, ça c'est nos bébés, ça. Alors comme tu vois, regarde, on a plusieurs chargeurs. Éjectable, c'est le top du top. Ça, avec ça, là, tout ce qu'on peut faire, là, le dégât qu'on fait, là, on traverse des voitures avec. Ça veut dire qu'ils peuvent être 4, 5, 6, comme ils veulent. On leur arrache les genoux, et c'est les jambes qui partent. Et voilà, et j'arrive et il me sort, la surprise n'est pas feinte hein, dans la séquence, il me sort ces engins-là qui sont carrément hallucinants. Enfin, moi, je ne suis pas un grand spécialiste des armes, mais bon, voilà. On voit bien qu'en termes de technologie, on a dépassé la Kalachnikov qui a une cinquantaine d'années. Et voilà, et il me dit, donc lui, c'est un type qui traditionnellement allait en Yougoslavie, allait dans les pays de l'Est pour se fournir, et qui me dit aujourd'hui, voilà, on est plutôt sur ces réseaux-là. En plus, c'est des armes neuves, hein, on les voit, ils sortent des housses, elles sont encore siglées de la marque du fabricant, etc. Et donc ça, c'est un autre circuit, c'est des circuits qui sont un peu parallèles et qui sont plus inquiétants parce qu'ils sont intra-européens, ces circuits-là. Voilà, en gros, ces armes-là, elles viennent d'Allemagne, hein, c'est des armes allemandes, donc on peut subodorer qu'elles ont été cambriolées, enfin, récupérées lors d'un cambriolage en Allemagne, soit dans une armurerie, soit chez des fabricants, soit chez des propriétaires. Enfin, en tout cas, voilà, ça, c'est du marché noir. Et ils se vendent ça entre eux, voilà, et ça part. Ce qui est surtout hallucinant, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire que c'est à flux tendu. Le type, dès qu'il touche une arme, ça, c'est vendu dans la journée. Hein. Et ça part. Ah, c'est pas des sommes délirantes. Hein. Un fusil d'assaut comme ça, ça vaut 5000 euros. Voilà. Et il me dit, là, on préfère qu'il y ait un peu la guerre, parce que ça fait monter les prix, les types en ont besoin. Donc, ils attendent un peu des moments de tension pour les vendre à 7000, 8000. Enfin, c'est assez surréaliste. Et là, quand on voit la taille de la balle par rapport à une balle de Kalachnikov, on est de cet ordre de grandeur-là, donc là, ça devient vraiment angoissant, quoi. Je vais la cacher là, je m'en serai, et là, moi, tu la vois pas. Et d'un coup, voilà, ça le truc, en fait. Vous voulez la vendre, vous, un jour, ou pas, là? Non, pour quoi faire? Donc, si on vit, c'est qu'elle est là. Si je suis plus là, c'est qu'elle est plus là. Vous l'avez déjà utilisé, vous? Joker. En général, quand tu vas avec ça, tu loupes pas la personne qui revient. Mais ça fait des gros dégâts. Quand ça te fait des gros séquelles. En fait, il n'y a pas eu tellement de conditions. C'est des gens qui vous disent, écoute, tu connais ton travail.
Si tu nous trahis, tu en tireras les conséquences toi-même. Donc, bon, on peut bien imaginer hein, comment ça peut se passer. Donc voilà, c'est à vous de faire les choses bien. Au début, on passe un deal, entre guillemets, hein, ce qu'il y a de le dire. Voilà, en disant, moi, j'aimerais faire ça, je vais le faire dans telles conditions, je vais essayer de respecter au maximum ton anonymat, voilà, puisque c'est le jeu, hein, etc. Donc, une fois mis ça en place, après, il n'y a pas tellement de risques, à moins de se parjurer, de trahir sa parole et de faire n'importe quoi, hein, et d'aller porter les rushs au commissariat. Moi, je piège personne, je viens avec une caméra ouverte, pourquoi je suis là, ce que je veux montrer, quel est le propos du film. Enfin, tout est clair depuis le début. Évidemment qu'il n'y a pas un euro qui va circuler non plus. Hein. Voilà, de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Ils gagnent beaucoup, beaucoup mieux leur vie que nous-mêmes. Le mec n'est pas correct dans les affaires. Voilà. Et automatiquement, il reçoit une punition. J'ai besoin d'une punition, c'est peut-être simple pour vous. Mais la punition pour nous, c'est ça. Voilà. C'est une balle dans le cul, une balle dans le tibia. Ça veut dire que nous, on tire toujours en bas de la ceinture. C'est une leçon. On n'est pas des meurtriers, on n'est pas des criminels à vouloir hein, un coup de kalachnikov, à assassiner les gens, à les couper en deux, c'est pas notre truc. Vous, vous travaillez comment? Avec quoi? Ben nous, on travaille avec des petits pistolets, des petites armes de poing, voilà. Alors voilà, ça ne tuera personne si tu tires pas au-dessus de la ceinture. Si je touche à tel endroit, je te toucherai à tel endroit. Avec ça, la kalach, tu arroses. Mais ça, la personne qui prend une balle dans le cul avec ça, crois-moi, elle s'en sort et c'est ce que nous, on veut. Elle s'en sort pour que la personne qui compte faire comme lui, hein, et se dise, bon, ben, c'est pas la peine parce que si je fais comme lui, je vais en prendre dans la gueule. Dans le milieu à l'ancienne, dans le milieu traditionnel, dans le grand banditisme classique tel qu'on le connaît, il n'y a pas de tueur à gage. C'est un peu un mythe, le gars qui arrive avec l'étui à violon, qui se met sur le toit avec son fusil à lunettes, etc., qu'on appelle entre deux tartines le matin pour aller tuer un gars. Non, ça n'existait pas. Le voyou, généralement, il allait tuer lui-même ou avec ses associés. Enfin bon, voilà, ça, on ne faisait pas appel à des spécialistes. Là, on commence à voir émerger cette fonction-là en France parce que les gens qui sont dans les stupes, bien souvent, le distinguo est un peu subtil, ne sont pas des voyous, sont des trafiquants de stupes. Voyou, il va braquer, il va voler, il va... Bon, voilà, il y a une espèce de dimension, un truc un peu sémantique à comprendre, mais c'est pas des voyous, donc ce sont des commerçants qui font certes du commerce illégal, mais qui ont pas envie de se salir les mains, et qui sont pas forcément des gens, eux, violents, etc., mais qui ont en revanche les moyens de payer des gens violents pour régler les comptes. On va le rappeler, ils gagnent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros par an. Donc quand ils ont un problème à régler avec un concurrent, eh ben aujourd'hui, ils font appel à des types qui se sont spécialisés là-dedans et qui, selon les moments, voilà, vont prendre de 30 000 à 50 000 euros pour aller dessouder, comme on disait dans le temps, quelqu'un. Ou alors le jambiser, comme d'autres le disent, et se sont spécialisés dans le fait de tirer dans les genoux, les cuisses, etc. On a 200 morts à Marseille en 10 ans, c'est-à-dire plus de 20 gamins par an qui croisent les balles, comme on dit chez les voyous. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver ces types à se jeter dans cette arène-là. Quand on sait comment ça finit, je veux dire, ou on se prend une balle, ou on finit en prison pour de très longues années. Ils voient bien les petits copains qui partent pour des années, d'autres qui ont enterré à 18 ans. Alors, il y a des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros à la clé. Mais quand on voit que les trois quarts vont en profiter 6 mois, un an et demi avant de finir au cimetière, finalement, tous ces gamins, ils meurent pour rien, pour s'acheter une bagnole, pour s'acheter 3 écrans plats, une montre, des fringues, aller en week-end à Dubaï. C'est l'inutilité et la vacuité qui est la plus triste, finalement, qui sont les plus tristes dans toute cette histoire. C'est-à-dire s'entretuer pour, finalement, quoi ? Rien.